Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Donc, on va continuer, j'étais censé m'arrêter là pour cet épisode, enfin pour cette session, et en fait non, puisque j'ai pas envie de m'arrêter à un endroit aussi mal fichu, si je puis dire. Donc désolé pour vous si ça a été fait. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter là. Moi. Fermez-la. Vous savez pas qui est le patron ici, c'est moi. Oh, I know. It's like clearly you're trying to run away from your problems. I mean, I'm sorry, but if you're sticking a cat's ass in your face, you would obviously aren't happy with your marriage. No, yes, okay. I think a lot of these druggies do what they do because they're in unhappy relationships. They probably get high because they feel trapped somehow with their... There they are. Where's the girl? She was just here. You didn't see her come in? No, we were busy syncing our watches. No, we were looking at menus. Because Cartman made us order food. Fighting crime on an empty stomach is very dangerous, human cat. It's for your own good. Whatever. She couldn't have left. We would have seen her go out the front door. Well, then maybe she's in the back. Okay, you guys check it out. Call us if you need help. We'll be waiting for you with our breadsticks. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, ça je veux, ça. Le coon de mon côté. Non mais t'es fou, toi. Depuis le premier jour... Depuis le premier jour, on veut jouer avec Eric tout le temps et quand on en avait l'occasion, c'était cool. Vraiment, à partir du moment. C'est rigolo, on entend une version. Bouffe dans ta face. Je l'ai vu qu'après. Je suis désolé, mais là. Je peux vous dire qu'ils vont prendre cher. Stand back. The real superheroes are here, Nam. Yeah, us real superheroes are here to save the day. Here I come to save the day. Je suis hors de portée. Appelez. Watch this new kid. Coon. Blesse et change de place avec un ennemi. D'accord. Prends ça. Je t'ai cooné. Cuisinage. Your farts are super powerful tools to use in combat. Your new fart power can totally nullify an enemy. Ouais, je suis au courant. C'est plus ou moins ce que j'ai fait. Le P temporel de bug peut servir à annuler le tour de l'ennemi, maintiens. Ok. Ah. Même dans le combat. C'est super stylé. Plus cher. Ah. Non, moi non plus. J'aime pas le fait qu'il soit parti. Mais ce n'est pas grave. Allons-y. Rejoignons le coon. I'm gonna turn you into a bracciola that make it the mouth water. Salaud, il fait mal. Tiens, bouffe, ça t'apprendra. Enfin, non, gerbe, ça t'apprendra. Bah, du coup, c'est pas comme si j'avais méga trop le choix. Mais non. Ok, let's see what you got, new kid. Toujours pas. Là, ça le tuera pas. Là, ça le tuera. Puisque je vais l'envoyer dans une autre dimension. Non, ça frappe pas sur l'autre. Ouais. Ah, d'accord, il y a tout un timer. Ok, why not? C'est bien dit. Mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu crois faire? Même entre eux, ils... Bon, l'ultime est prêt. Tu manges!
et que ça vous serve de leçon. Mais non, mais t'as cru. Oh merde, il a eu Cartman. Attendez. Je vais ramener le Kun, je veux voir son ulti. Antidote, sérum de réanimation, ça m'emmerde, il n'y en a pas beaucoup. Allez, viens. Viens, Kun. Mange. Bon, c'est déjà ça de prix. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, je t'interdis. Tiens, bouffe. Rage, pardon. Je voulais dire en anglais, mais j'ai chié encore, comme d'habitude. T'as vraiment cru que ça me ferait quoi que ce soit? Toi, tu es mouru, pardon. Oh, j'arrive plus à parler. Mange. Ça t'apprendra. Voilà. Ah, ça fait pas tant de dégâts que ça. Vas-y. Cool le film. Ouh, stylé quand même. Damn right, diabetes. I will defeat you. Bon bah, on va s'arrêter là. Hein. Mais non, mais t'as cru. Mais voilà, le saignement. C'est moi qui vais le finir. Et comme dirait Catman, cette fois on peut vraiment dire que tu l'as dans le cul. Boum! Ok, see you guys later. We're gonna go do some real superhero shit. Bon bah ça c'est fait. Le fouet de Fagocchini. Utilise 15 P temporels. Courbe de temps maître. Voilà qu'on le fasse. I could easily lift this out of our way, but I can't use my apple juice without insulin to bring me back down. Maybe we could trigger my diabetic rage somehow. Vas-y. Wait, that's it. Your farts, sidekick. Your terrible farts that throw me into fits of rage. Of course. The coon wasn't trying to make me feel insecure when he told me that my mom's farts gave me diabetes. He was trying to help me unlock my true powers. Oh, la folie. Through there and get the classy sidekick for the good of South Park, for Coon and friends. I need you to fart on my face. Trouve un objet avec une barre verte. Don't be shy. D'accord. Ok. Correspondance trouvée. L'hologramme d'ami renversé. Ouh, c'est pas mal. J'avais dit que tout ce qui était avec un truc vert au sol. Non ! Ah, mange ! C'est quand même bien dégueulasse. À quand le Nosulus Rift dans tous les supermarchés ? Déblocage de pouvoir d'ami. Fureur du diabète ! Cool. Cool, cool, cool. J'adore. Sincèrement, j'adore. On va quand même fouiller la zone. Avec la petite musique, toute sympathique. Carotte, graisse, sain, rasi. Rassi, pardon. Hop. Ah, j'avais oublié cette histoire de chanson. Ok, c'est flippant. Dude, it scrambles one of them? Negative.
None of them are fat and old. Then what about the girl? We're still tracking her. We have to find out what she knows. Get going. Ok. Est-ce qu'on libère les chats ou... Could be a boss battle coming up. Better make sure you're stocked up on healing items and have your best artifacts equipped. That was a hell of a tip. Tu viens te pousser de là? Non? Putain. Tarsus, the path is blocked. D'accord, ok. Putain, tu m'as quand même pas coincé. Les pouvoirs recto peuvent... What? Ah tiens, un télé pour afficher les commandes d'épée temporelle. Ah oui, d'accord. Je viens de le pousser, du coup là je peux le ramener à sa place. Ouais. Ah oui, c'est tendu du slip quand même. Du coup, on a une machine. Alors. Première chose. On va aller voir le craft. On va en créer quelques-unes quand même. Voilà. Ça pareil. On puisse appeler une invocation pendant le premier combat réel, si je puis dire. Écoute, vas-y, j'en ai un. Chaîne saillante. Ça me permet de monter un peu plus haut en termes de niveau. 90 plus 4, j'en ai un dans l'inventaire. J'en ai pas. Ça c'est 80 en termes de puissance. C'est pas rien. Obtiens plus d'ingrédients. Ah c'est parce que je l'ai équipé, non c'est ça? C'est parce que je l'ai équipé que je peux pas y avoir accès? Attendez. Ça peut être tout simplement ça, ouais. C'est juste histoire de... Voilà, ça répond à la question. Ok. Artefact, pardon. J'en chie un peu. Voilà. Pareil pour toi. Je te ramène. Je t'améliore. Je te rééquipe. Et je gagne en puissance de manière complètement monumentale. Hop les. Alors toi j'aimerais bien voir si je peux t'améliorer. Mais je pense pas. J'en ai pas vu la possibilité en tout cas. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Bon, il me semble qu'on est pas trop mal. On va sauvegarder. Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé la partie. Voilà, avec mon nouveau costume. Pareil. Deuxième aussi. Et on y va. Allez, c'est l'heure de la fête du slip. Combat de boss, apparemment. Chasing me. And you led them here, you stupid bitch? Uh-uh. Who you calling a stupid bitch? Do I look like your mama? Et boum, dans ta face. Kids are cops? That ain't no cop. That's Captain Diabetes. When he was born, his mom farted during labor and it gave him diabetes that he uses to fight crime. That is not how people get diabetes. Yeah, if they aren't cops, then we can shoot them. Along with this bitch, too. Oh, shit. Y'all turning on me? I knew I shouldn't have went into business with y'all Tony Soprano-looking motherfuckers. So long, Captain Diabetes. Let's see your diabetes savior now. Uh-oh. What? I want my keys. I don't have your keys, man. He's wasted on red wine. Ça défonce au vin rouge. Les bitures au vin rouge, c'est les pires. Let's get the fuck out of here. Alright, Captain Diabetes. This is it. Give me
My fucking keys. You are in no condition to drive. Then... die! Et voilà, je l'avais dit. Randy bourré à la pierre, il y avait un niveau supérieur. Je l'avais dit. Je l'avais dit. C'est parti. You're being unreasonable, Mr. March. Let me call your wife. Leave Sharon out of this, you little... La vache, il va se faire one shot. Oh la vache. That's not fair. Y'all can't be using your ass to speed up time and skip people turns and shit. I have a really good feeling about this, guys. Enfin... This might sting. Ça a piqué un peu. Boum. I feel no pain. Punch someone for the coon, fart lord. Ha! Prends ça. Damn, they got you all weak and shit. You better not lose, nigga. Mm-hmm. Repoussement. Ah, j'ai besoin d'un petit peu d'armure, je pense. Hop là, bouf. En plus, tu te mets à portée. Shit, shit, hang on, Sharon's texting me. Can't type, why the fuck can't I type? Why are my thumbs so big? Hey Siri, fucking take a note and tell my wife just fuck off because I'm fighting. Poop emoji. La tristesse. Oula. J'ai bien fait de mettre de l'armure. Hein. J'ai bien fait de mettre de l'armure. Il peut attaquer deux fois ? Ok. Ha! Bouf! Oh man, looks like I bet on the wrong horse. Mais toujours pas. Il est temps que j'en finisse. Ha! Trop de vitesse. C'est parti. Tu m'as pas vu. Et cette fois-ci non plus, tu ne me verras pas. Ben voilà. Victoire. Talisman des enfers. C'est quoi ça? J'ai cru voir un truc. Bon, c'est pas grave. Aïe, shit. Look, all I know is there's a kingpin trying to get new high-grade drugs out on the street. It's somebody trying to bring the Italians and Chinese crime families together and shit. Enough small talk. Where is Scrambles? Scrambles? We need this reward money for our superhero franchise. Oh, shit. Y'all just want a cat? So then there's Cisco. He just some low-class asshole start working 2 months ago. He be talking all this shit about making money off the crime in the city because some big-shot white boy be running all the drugs and all the hookers and shit, right? Okay. But not me. I'm my own pimp, you know what I'm saying? Cool. It's like I got one investment in this world, and that's my pussy, and I ain't putting no mortgage on that to some high-paying nigga talking about trying to make more money off crime and shit. Classy, I'm sorry, but what about the cats? Oh, that cats? Okay, that's this little Asian freak named Yakibaba or some shit like that. He going around paying all these little sixth graders to take people's cats. That's fucked up. I think taking that pussy and, like, taking mine, you know what I'm saying? That's like criminal shit. Where do the cats go? I can tell you, but I ain't saying shit until I know I'm safe, you understand? These niggas ain't playing, and I need to know you gonna protect my ass. Eric Cartman, do you have any idea what time it is? This is a school night. Mom, not now. We're seriously onto something. You kids all get home now, or I'm calling your parents. Sorry, Mrs. Cartman. Please don't tell my mom. And who is this stripper woman? These coon friends offer me protection. Well, she's not staying here. Fine, fast pass, take her to your house. Okay.
Elle était rapide là pour le coup, hein, bravo. South Park. Good morning, South Park. A new vigilante took to the streets last night and has apparently single-handedly taken down the Famboni crime family. Here with more is a midget in a bikini. Tom, I'm standing outside the Bocca dei Fagocini where the vigilante declared war on crime in South Park. Security camera footage showed a young person farting in people's faces on their balls. It was just terrifying. The kid came in and just started farting on people. It was out of nowhere, man. Maybe someone's finally standing up to what's wrong. Oh, la soirée de ouf. This new kid's a hero. The kid's a menace, if you ask me. How long before he or she kills an innocent person? How long before ça a failli déjà. Becomes the Punisher? Huh? Three seasons. Police called to the scene and found a treasure trove of illegal items that they claim might tie the Italian restaurant to a larger crime syndicate. This may be just the tip of the iceberg. Certainly chilling stuff, and there are reports the vigilante possibly had a sidekick? There was thought to be a sidekick, Tom, but further investigation showed it was just some little twerp with diabetes. Thanks, midget, and of course... Ah merde, c'est moi qui suis le héros et c'est Captain Diabète le... Who is the farting vigilante? The farting vigilante. This is going to make us look bad. You fucked up. It wasn't our fault. This kid just came into the restaurant and started farting like there was no tomorrow. All you Italians are supposed to do is move the product. The Chinese D'accord, bien les flics. Everything has to be discreet and quiet or people are going to learn the truth. That we put the product into people's drugs and alcohol in order to create more crime. What? You just keep doing your part in getting the cheese out on the streets. Or maybe I'll start dealing directly with the Russians. Or the Chinese. Oh, or the sixth grade. The sixth graders. La menace. La menace est présente. Ah, je suis là, je me vois. Oh, man, what a great sleep. Yeah, I haven't slept that well in weeks. So, you guys do anything interesting last night? Oh no, non. You know, the usual. Just watched some TV and went to bed. Yep, nothing exciting in our boring lives. Well then, I guess I'll just be seeing you guys tomorrow. You got a big day ahead of you, new kid. Get changed into your superhero costume and wait for a message from the, From the crew. Il dit Q, mais ça m'étonne, je me rappelle pas. Voilà, c'est ça qui est bon. Super costume. Mais, je pense... That was dumb. De me faire juger. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Je pense qu'il est temps de changer de couleur. De devenir quelque chose d'autre. Comme dirait notre ami Haro. Je pense qu'il est temps de passer à quelque chose de plus sombre. À quelque chose de plus dark. À quelque chose de plus mystérieux. Et donc, là, je vais passer uniquement en noir. Voilà, appelé. Voilà. Il est temps! Oh là, il est rapide! Any good superhero should know how to interrogate. Get over to Jimmy's house and find out what she knows. Keen act. Ok. Bon, va dans la chambre de Jimmy. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Chandimir va se rejoindre dans le prochain. Enfin, se retrouver dans le prochain épisode en tout cas. Pour rejoindre la chambre de Jimmy. Parce que là, ça va être un petit peu trop choquant selon moi ce qui va y arriver. Donc voilà. Je vous laisse la possibilité. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Et moi, je vous retrouve donc après-demain normalement pour la suite. Tout dépend s'il y a un live en temps ou pas. Voilà. Salut les gens!